Allez, jour 4, on part de Saint-Aubin sur mer, direction Saint-Vallier-en-Caux. Je sais pas ce que c'est. J'ai tendance à dire ça ressemble à un château d'eau, mais en style miniature. Je pense que c'est une réserve d'eau quand même. Cette étape là, ça va être beaucoup de plaine, pas trop sur la côte. Je pense que j'avais raison, mais ça doit plus fonctionner tout ça. Normande. Encore un château d'eau. Une petite maison bien exposée.
Alors voilà, on arrive bientôt sur Saint-Valery-en-Caux. On aperçoit 6 éoliennes. Alors je vois pas trop bien où je suis, mais je pense qu'au pied, on a un champ de panneaux photovoltaïques. On va s'approcher, de toute façon, on va passer, je pense que le chemin nous emmène pas loin. On va aller voir ça. Donc ici, on a un petit bassin où il n'y a pas d'eau. Sec. Et là, le petit truc avec la cheminée là, c'est un gabion. C'est pour une petite hutte en fait, hein, pour chasser le canard quand c'est la période de chasse. Mais bon, souvent, il faut un petit peu d'eau pour que les canards puissent se poser. Donc j'avais bien raison, c'était ce qu'on voyait au loin. Ouais. Oh, c'est que de la plaine. C'est que ça, que ça, que ça. C'est pas les plus belles étapes, mais Valero c'était super joli. Et je pense que Saint-Valery, ça risque d'être joli aussi. Arrivé à Saint-Valery-en-Caux. Vous allez voir, il y a un monument là-bas.